Bonjour. Bienvenue à Mon amour, ma voiture. Dans le souci d'aider le consommateur... préoccupation, et c'est pour ça qu'on a amené un spécialiste. Monsieur Carl. Carl, bonjour. Bonjour, merci. C'est bien. Beau bonhomme. Oui, merci bien. Hein? Bien habillé. Il y en a des beaux bonhommes dans la mécanique. Mais, vous avez déjà été? Oui, je ne suis plus aujourd'hui, mais j'ai déjà été mécano. Maintenant, je suis mécano. Oui, c'est correct. Okay. Et c'est pour, comme ça, c'est bon, pour ça qu'il va nous montrer comment faire... Un changement d'huile. Bon, faisons-y. J'imagine qu'il faut ouvrir le hood. Première étape pour le changement d'huile, on commence par ouvrir le hood. Assure-toi que c'est fait. Tout le temps, il me disait avec la petite pinouche en dessous. Ouais, ouais, c'est juste là, faut que tu apprennes comme ça. Dextérité, le cœur. Voilà, tu roules ça, tu mets ça là. C'est du beau moteur. Ouais, ouais, beau petit moteur. Un vieux moteur, en fait, de Saturne. Donc, on commence par enlever le bouchon sur la. Ça laisse aller, là. Sur la cape de valve. Sur la cape de valve, y a-tu un nom, ce bouchon-là? Ouais. Un bouchon à l'huile, là. Ok, pas compliqué, là. Donc, on commence par enlever le bouchon à l'huile. Après ça, on va se coucher en dessous. Ça jamais la lampe qui est là, là. Ouais, vas-y, prends la lampe. On s'en va dans la deuxième étape. Deuxième étape. C'est comme en colocation. Okay. Fait que là, faut avancer. OK. OK, c'est bon. C'est bon. On peut accrocher la lampe juste ici, là, comme ça. OK, bon. Maintenant, pour le changement. Donc, on a préalablement amené notre panne. Fais attention, Carlo, là. Excusez-moi, monsieur. Donc, on est à dire ici. On a la panne arrière juste là. Maintenant, il va falloir enlever la plug. J'ai juste ça pour faire couler l'huile d'or. Ça va prendre? Non, ça. On pourrait appeler ça un boulon. Boulon à l'huile. Allons-y avec un boulon à l'huile. T'as besoin de ça. Donc, ça va prendre la clé 14 mm, mais ça, c'est les mains grippes. C'est pas ça que j'aime. OK. Excellent. Ça, c'est une 14 mm. La clé 14 mm, exactement. Parce que plus que ça, ça marche pas. On enlève notre boulon, on risque de. Ça peut tomber, ça. D'abîmer notre boulon. Mais là, ça s'assit dans le sol, ça va pas. Oui, oui, oui. Là, ça coule, ça coule. Tassez-vous. On enlève ça. Ça coule dans le panne. Excellent. Fais attention, ça peut revoler des yeux, c'est chaud. Maintenant, on enlève le filtre à l'huile. Juste ici, ça va être ton travail. Ça, on enlève le filtre, il est juste là, ici. Comme ça. Excellent. Maintenant, attention, pour pas que ça te coule dessus, là. Non! Bon, ça te coule dans la panne, c'est bon. C'est un peu salaud, comme ça. C'est trop. Donc là, on va attendre, ça prendrait peut-être une petite gagnée. C'est lui qui l'a gagné. Donc, on enlève, on laisse couler l'huile comme ça. C'est la partie de repos. Bon, OK. Une fois qu'il est fait, on prend un autre filtre à l'huile. OK. Un filtre à l'huile neuf. Ça, on va l'installer. Alors, juste là, le ici. Filtre à l'huile neuf. On va l'installer. Excellent. On réinstalle. Est-ce que c'est tout? Notre petite plug. Est-ce que c'est tout? Après ça, il reste juste à mettre de l'huile et c'est terminé. Le travail est terminé. Ça, c'est l'étape 2 est finie? L'étape 2 est terminée. Ben... Maintenant, on est rendu à remettre de l'huile dans le moteur. C'est tout? Ben, on va se dire au revoir. C'était salut, mon amour. Ma voiture. 9.5.